Bienvenue sur PhotoLine français pour un nouveau tuto sur le vectoriel, la suite du vectoriel. Ici, j'ai une image qui est une image d'Inkscape, donc une SVG qui a été créée avec Inkscape et que l'on peut trouver sur Internet dans les bibliothèques qui sont mises à disposition par des utilisateurs d'Inkscape. PhotoLine, depuis pas mal de temps, ouvre ce genre de fichiers. Il ouvre aussi les PDF. Vous pouvez utiliser ces fichiers, travailler dessus. Vous avez ici toute la liste des calques. Voilà. Nouveau fichier. Un nouveau document. Nous allons voir un petit peu des outils comme le dessin à main levée. Ici, qui vous permet de dessiner du vectoriel à main levée, comme ceci. On va lui donner une couleur verte, comme ceci. Et là, je viens de dessiner cet objet qui comporte un certain nombre de points que je peux simplifier comme ceci en optimisant mon calque. Voilà, ici vous avez diverses valeurs, vous pouvez changer pour les lignes, pour les courbes. Et j'ai 36 avec un aperçu pour les courbes comme ceci. Je trouve que c'est peut-être un peu trop. Aperçu, voilà. Et là j'ai un côté de mon arbre, mon sapin. Ok, on va revenir sur le calque et on va dupliquer ce calque. Ensuite, il est dupliqué, mais comme il est dessus, on ne le voit pas. On va faire une symétrie. Alors pour cela, moi j'utilise mon menu contextuel majuscule clic droite que j'ai configuré, comme expliqué dans un tutoriel précédent sur l'interface. Voilà, symétrie horizontale. Et j'obtiens un deuxième calque qui est symétrique au premier, que je vais déplacer avec la touche fléchée à droite. Ça déplace pixel par pixel. Common, ça déplace, je sais pas, 20 pixels par 20 pixels. Ça va plus vite. Voilà. Pour pouvoir le rejoindre là au bout, je vais enlever mes poignées de calque. Je vais afficher seulement les cadres. Ça permet de centrer précisément. Voilà, on voit bien quand on obtient un cadre centré, comme ceci. Pouvez enlever la fichelle des calques aussi. Comme ceci, les deux calques que j'ai là, je vais les fusionner. Document vectoriel, fusion. Fusionner les calques vectoriels marqués. J'obtiens un calque. Je vais afficher mes poignées comme ça. On verra mieux ce que je fais. Et sélectionner mes points. Ici, je vais créer une ligne pour joindre ces deux points. Si je veux faire un remplissage, je vois que ça ne fonctionne pas comme ceci, puisque ça me fait créer deux calques qui ne sont pas joints, donc ça fait cette espèce de triangle au milieu. On va le supprimer, recréer une ligne sur ces deux points. Là. On enlèvera pour voir un peu ce qu'on fait le remplissage. Ici, la meilleure manière de procéder, c'est de créer une ligne horizontale avec la touche majuscule enfoncée. Ensuite, de prendre le point de déplacer. Ils sont aimantés, donc ils vont se joindre dessus, comme ceci. Et maintenant, mon remplissage sera correct. Voilà, on va y dessiner une petite. Petit rond carré ici, comme ceci. On va y
donner une couleur. Les sapins, ça va pas très, le temps dépasse pas beaucoup. Voilà. Une couleur brune. Comme ça. Et je sélectionne mon calque. Je déforme. Ceci pour avoir un angle et je le veux symétrique avec la touche majuscule. Commune pour déformation et majuscule pour symétrie. Ne pas appuyer simultanément sur les deux boutons sinon ça ne marche pas. Donc vous déplacez d'abord avec la touche commande et après vous relâchez la touche commande. Tout en maintenant la touche de la souris foncée et vous pouvez obtenir une déformation symétrique comme ceci. Si votre calque est un peu de dessus comme ça, il va falloir le. Ça ralentit pas mal quand on enregistre, donc il faut attendre. Voilà, on va le déplacer là comme ça. Vous le mettez dessous et vous obtenez votre sapin que l'on va grouper. Couper les quatre marques. Voilà. Et là, j'ai un sapin que je peux déformer, changer de forme, grandir, diminuer, comme j'en ai envie. Comme ceci, par exemple. Voilà. Voilà pour la création d'un sapin. On va voir maintenant la création d'une fleur. Cercle ellipse. Là, on va dessiner un pétale, comme ceci. Mon pétale, on va le faire jaune, comme ça. Et j'ai un calque qu'il va falloir dupliquer et faire une rotation. Je déplace mon centre de rotation ici. Je duplique le calque. Comme ceci, je vais voir maintenant les informations sur mon calque, parce que je vais utiliser cette fenêtre ici, qui me permet de lui donner un angle. On va lui donner 30 degrés, comme ceci. Si je continue de dupliquer, le dernier pétale va venir dessus, comme ceci, et ça ne sera pas très joli. Alors on va utiliser ceci, donc je sélectionne le calque que je veux découper. Je vais découper cette forme de dos, celle-ci, comme ça, et utiliser différence pour obtenir une pétale qui a le cauchemar dans lequel elles vont s'emboîter. Donc on a choisi 30 degrés. Si vous découpez à 30 degrés le premier, il faudra faire des pétales à 30 degrés. Ensuite, je duplique. Là, j'ai plus qu'un seul calque, hein, donc je duplique mon calque. Je lui donne 30 degrés, comme ceci. Ensuite, je duplique 60 degrés, comme ceci. Je duplique. Ça va me donner des notes. Voilà, jusqu'à ce que j'ai fini ma fleur comme ceci. Alors moi j'ai utilisé le menu Action pour faire exactement le même travail. Et je vais le faire directement avec mon action. Comme ceci, je reviens au départ. Je vais choisir mon action qui est 360-30, puisque c'était 30 degrés, ici. Comme ceci, je vais lancer mon action et j'obtiens ma fleur d'un seul coup. Donc les copies multiples de PhotoLine, on peut les obtenir que en les fabriquant soi-même à travers ce menu action. Maintenant, dans le menu Action, il y a juste une petite chose. On va revenir en arrière. Ici, vous devez sélectionner avec la petite case. Et ici, vous avez une
deuxième possibilité de sélection qui, à ce moment-là, va vous demander de rentrer l'ongle quand vous démarrez comme ceci, voilà. Comme ceci. Et j'obtiendrai, chaque fois, je pourrais changer mon ongle à chaque opération, comme ceci. Les ongles, là, elles sont pré-réglées, mais je pourrais changer et avoir un autre ongle avec la même action, donc le même enregistrement d'action. Ok, si vous voulez supprimer l'action, vous faites poubelle. Ok, il n'y a rien dedans, donc je peux la supprimer facilement. Et voilà, vous obtenez votre fleur. Si vous voulez sélectionner l'entier des calques, vous sélectionnez le premier, ensuite vous faites Alt et vous recliquez sur le premier. Et là, on va lui donner une couleur de remplissage qui est différente en utilisant un dégradé que j'ai fabriqué pour faire ce genre de fleur. Voilà, et vous avez une fleur comme ceci. C'est vite fait, c'est pas mal, ça permet d'utiliser les actions, de voir Photolane, le fonctionnement de Photolane, en tout cas, c'est dans ce type de dessin. Voilà pour ce deuxième tutoriel sur le vectoriel Photolane. J'en ferai un troisième pour montrer un petit peu les textes qui sont aussi des éléments vectoriels et dans un prochain tuto. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Photolane en français.